Salut à tous et à toutes, c'est Rochelle 18, on se retrouve pour l'épisode 5, Slaker 4, voilà, c'est un temps, aujourd'hui on va faire l'émission Hippotorose, c'est parti. Ok Ryoichi, le plan est simple, El Refe ne sort du château que pour parler à Madame Geisha. Si on veut savoir ce qu'il lui dit, il nous faut son costume. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est partie en vacances, et qu'El Refe ne le sait pas encore. La mauvaise, c'est que la maison des Geishas est fermée à double tour. Impossible d'y accéder depuis la rue. Mais si tu pouvais passer par le toit... Ah, un vrai ninja trouve toujours un moyen. Ok. On se reparle à l'intérieur, Bentley-san. Se garde. Voilà. Voilà. Et puis... Chargement. Cool, la semaine dernière, la dernière fois je l'ai pas fait, je vais pas commencer par cette mission là parce que voilà. C'est que franchement elle est pas très longue ce que j'ai dit, mais il y a quand même de l'exploration. Il faut d'abord explorer avec Ryoichi, disons de Geisha, pour trouver un terminal pour faire un piratage avec Bentley. Voilà, autre temps il y a plein de pièges, vous pouvez mourir souvent. Ryoichi, on dirait bien que le costume de Madame Geisha est conservé derrière cette grande vitrine. Mais je te conseille vivement de rester en hauteur dans cette pièce. Inutile d'alerter des gardes. Bien sûr. Est-ce que le chat alerte les rats ? Non. Ok. On peut y accéder par en haut. Mais d'après le mécanisme de fermeture, je dirais que ça s'ouvre à distance. Il va falloir que tu trouves tous les systèmes de contrôle et que tu les actives. On dirait que la porte menant à la première aile est ouverte. Il y a forcément un système là-bas et tout un tas de pièges. Alors, sois prudent. Arigato, Bentley-san. Je ne sais pas comment Murray-san va entrer dans cette tenue. Peut-être qu'elle est très flexible. Ces pièges sont presque trop faciles. Pour redorer aussi le piège du... Et tu as un rat. Ici un mât. Marche arrière. C'est vraiment de la technique de ninja. Je m'y connais pas. Aïe, aïe, aïe. Le système est au fond de la pièce. Ah oui, c'est vrai que c'est pas bon. Oh non, mais faut pas non plus abuser quand même. Oh!
quand même. Ouais, on va pas compliquer de passer par les plasmes quand même, Ryoshi. Ok, Ryoshi, connecte-moi à ce terminal. Il peut y avoir des terminales comme ça, épreuve. On va trouver des terminales comme ça, voilà, pour mettre la FA, c'est un piratage à distance. Donc c'est un nouveau système de piratage. Cette fois avec la manette, il faut diriger la manette. Ok, c'est le moment d'étreiner mon nouveau cracker de code. Je dois guider l'étincelle à travers le circuit avant la fin du chrono. Donc, vous mettez la manette vers le haut, la manette vers le bas. Pour utiliser mon détecteur de mouvement. Faites attention dans la direction où je veux envoyer les voilà étincelles. Ça, ça arrive de me poser problème au bout d'un moment. Franchement, j'ai adoré le concept, mais franchement, c'est pas hyper simple. J'ai envie d'essayer de faire comme la Wii, comme l'équipe de Nintendo, mais voilà. Bien. Si j'appuie sur la touche directionnelle droite, l'étincelle franchira le trou jusqu'au câble suivant. Oh, c'est le centre du circuit. C'est fichu. Ah, faut pas tomber dans les trous, parce que sinon c'est fichu comme du Bentley. Il y avait des trucs comme ça, les ressorts. Voilà la force centrale. Je dois l'atteindre avant l'arrêt du système. Oui, oulala. Dans le premier, vous en doutez, il est pas bien compliqué, faut juste faire attention au coup. Mais voilà, du coup, faut les emmener dans un truc comme ça, avant la fin du chrono. Symbole de slide. Donc, au bout d'un moment, vous allez voir, ça va devenir vraiment trop chaud. Enfin, pas aussi chaud que tuer la TRF dans. Enfin, tuer les méchants dans Tomb Raider. Mais voilà. Le problème est bien là. Ouais, sinon c'est pas drôle si un jeu est trop difficile. Ouais, vous voyez, j'ai eu 0 des trésors. C'est où ils sont, mais voilà, j'ai pas envie de le faire tout de suite, quoi. Bon, surtout une question de gros, c'est comment ils vont faire pour amener Sly. Enfin, grâce à la machine du temps, mais comment ils vont réussir à découvrir Sly, ce truc. On va maintenant débloquer la tenue de Geisha pour Murray Sam. Murray San. Cible en voilà. Vue. Agent Murray. J'ai adoré. Position. Là. Murray San, sois très prudent. Ce câble a l'air j'espère plutôt fragile. J'espère que vous n'entendez pas les bruitages quand je prends des photos et avec mon appareil. Ok Murray, j'ai l'impression que tu vas devoir enfiler ton déguisement un peu plus tôt que prévu. J'espère que tu te souviens de la scène qu'on a répétée. Vous là, qu'est-ce qui se passe? J'exige une explication. Ah bah c'est pas celui-là, ouais. Konnichiwa. Je suis la très célèbre Madame Geisha. Je vous en prie, laissez-moi vous divertir. Le gars qui a parlé, je ne demande pas si c'est pas le même qui est devant la fin de la prison, la prison. Enfin, j'ai adoré, j'espère qu'il y aura. Ils vont mettre ça pour Sly 4, Sly 5 du moins. Ils vont en un peu améliorer. Alors, c'est un jeu musical. Je sais que les jeux musicaux ne plaisent pas à tout le monde. Moi, j'ai adoré, franchement. Il n'y a que deux. Alors, il y a peut-être pour Sly 5 qui décide de remettre ça, peut-être qu'on aura beaucoup plus. Hop. Il est maniaque, pas maniaque, mais il est aussi tendu pour faire ça parce que vous n'êtes pas bien si au moment, ben, vous perdez de la vie quoi. Surtout là quand il y a les gros. Hop. Hop. Voilà, quand on faisait ça avec. Gagner de l'argent. Ouais, c'est cool. Nous sommes quand même une chanson. Allez, c'est cool. Une vraie pervers. Là, il est oublié. Dis-moi mon petit cul.
marrant, mais elle disait en même temps. Après, je voulais me rappeler que la scène pour aller au terminal, je me suis rattaché. Donc, si vous faites bien attention, c'est le bouton que vous appuyez. Ça, comment dire, une obédience d'une façon différente. Aïe. Je vois plus dedans. Donc, c'est un peu après, ça marche pas. Donc trop tôt. Pour gagner de la vie, c'est plus bon. Oh, prends mon argent, prends mon argent. Ça c'est le dernier, franchement. Il y a même ce temps de revenir que les autres devaient recommencer. On ne peut pas aller aux toilettes, hein, pour quitter, hein, à ce moment-là. Ouais, du pognon! Donnez-moi de l'oseille! Rendez-vous au prochain embarquement. Ça vous dit qu'on a eu mangé. Qui a volonté, les gars. C'est le moment de torser, d'épouler. Ah, vous voyez quand même, ça fait une commande de... Aïe. Yeah. Ah, oula, ils sont drogués. Ah putain, mon éclat. Au buffet, un sushi parti. Il aurait dû commencer par ça pour infiltrer la prison. Donc j'espère qu'ils remettront en place quand même le costume de Geisha, parce que ça va se douter quelque chose. Vous imaginez, dans Slice 5, si ça continue sur le voyage dans le temps, vous imaginez, en plus d'avoir, comment dire, les... Marseille de bombe, ok. On va prendre Bentley, on l'a pas encore pris. Vous avez donné, si le Slice 5 ça parle toujours du voyage dans le temps, je pense que ça sera toujours parce que quand on n'a pas joué tous les ancêtres, ça serait quand même bizarre. Après, voilà, il y a peut-être une notion, voilà, qu'il faut ces coupures pour le 4e, pour le 5e opus et puis pour le 6e opus, s'ils en font un, bah, qui retourne dans le temps, mais moi je dirais plutôt que le 5e sera plutôt encore dans le voyage dans le temps. En deuxième partie, quoi. Et que ce serait cool qu'on retourne à la synchronisation, justement. Et vous imaginez, en plus d'avoir les ancêtres, on pourrait avoir les... Comment dire avoir Geisha. En plus, ce serait trop cool. Même, ce serait trop cool. Ah, il faut revenir ici. Oh. Alors avec L2 vous pouvez envoyer les bombes. Vous avez bombes explosives, bombes dormantes, il y en a d'autres, les bombes. Comme je disais dans un des épisodes au début, mais là franchement ils ont vraiment pour ce plus là, enfin pour ce plus partir du jeu où on contrôle, et ben il est amélioré. Le 4, il y a okay. Plus de bombes. D'après les calculs, le 3, c'est le fauteuil roulant. Ceci est l'endroit idéal pour lancer la voiture téléguidée. Grâce au microphone miniature que j'ai installé, ça devrait être un jeu d'enfant de suivre El Refé et de découvrir ses plans. On dirait qu'il se dirige vers la prison. C'est parti. J'ai oublié ça. C'est le moment de suivre ce tigre. On va prendre merde. C'est le moment de suivre ce tigre. Le super chapeau poulet de Vous êtes fichu.
Merde. C'est le moment de vivre votre vie. Le super chapeau poulet de Murray va aussi se servir. Il faut juste que je pense à la L2 pour activer le camouflage volaille parfait. Je vais voir le cuivre un certain nombre de fois. Foutia! Mais. C'est le moment de suivre ce tigre! Le super chapeau poulet de Murray va aussi nous servir! Hop, 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 hop! Je pense à appuyer sur la L2 pour activer le camouflage volaille parfait! C'est le déguisement de poulet marche, tenez! Pénélope, as-tu traité la reine des objets déguisés? Non, Pénélope, où es-tu? Et je dois rester content. Ah, Pénélope, si tu veux savoir. Tu ne peux pas t'échapper. Merde. Je trouve trop rapide. Hop, 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 hop. L2 pour activer le camouflage volaille parfait. Hop hop hop. Un peu plus long là, on s'arrête pas. Hop le bon timing. Ah, voilà. Même cette magnifique prison ne peut pas rivaliser avec ma nouvelle statue forteresse. Une nouvelle statue forteresse? Alors c'est là qu'il se cache tout le temps. Personne ne devinerait que la poulie de la porte du palais est juste sous le pont. Tu ne sais pas quelle tortue tu as à faire, mon vieux. Il se tait, mais il fait le malin. Fournir les infos. Allez. Là, on a plus très loin fait. Voilà. Bah, les grottes à poissons, j'ai bien fait de les condamner. Ma porte au dragon est infranchissable, tant que personne ne vient distraire ce fainéant de garde avec des sushis. Comme c'est intéressant. On a exactement ce qu'il faut pour ce brave garde. Une erreur dans ce passage. On y a déjà été et puis on découvre la grotte. Même si avec c'est, elle fait, c'est comme bizarre, la porte au dragon, l'inverse. Il ne trouverait jamais que les mécanismes sont dans les gueules des dragons. Génial. Ils ont vu comment les couillons se demandaient comment depuis le temps il a réussi à fuir à Terre-Côte quand même. Alors j'ai compris. Si on est. Si on est trop près, ben ça marche pas. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre la main sur ce Ryoichi et je pourrai enfin remettre le paquet au patron. Paquet ? Patron ? On doit découvrir ce qui se trame dans ce palais. Murray, viens au secours, viens faire la geisha. Pour distraire. Konnichiwa, Refe-san. Bonjour, Madame Geisha. Ça prend sa pétlée.
que c'est. Rentrez, Madame Geisha. Oh, monsieur, gros petit cul quand même. Mais oh, c'est ma folie, hein. Mission terminée. Bon, 20 minutes, pas trop mal quand même ce qu'on fait. Donc la batterie se décharge, je crois qu'on va pas voir. Voilà. Donc, on a vu, ça c'est le nouveau pouvoir. Voilà, y'a que ça. Donc sur ce, bah moi je vais m'arrêter là pour l'épisode 5 de Sly Cooper 4. Donc vous le rentrez en même temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo si vous avez fait. Donc la prochaine fois on prendra Ryuichi en personnage jouable. Donc sur ce, à plus.